Bonsoir. Bonsoir. Alors Marc, avant de passer à quelques questions plus personnelles, est-ce que tu crois que ça énerve les téléspectateurs quand les animateurs ou les journalistes à la télévision portent du rouge? Pourquoi pas. Info. Info. Bon, ben on va voir. Comme les taureaux. Elle a duré combien de temps ton année sabbatique à peu près? Elle n'a pas été vraiment sabbatique. Mmh. J'ai jonglé entre la promotion et... Enfin, disons, le dernier extrait de mon album précédent, qui s'appelait Les Amours du Dimanche, et la construction de celui-ci, qui s'appelle Paris, j'ai mis un an à faire. T'es parti pour quoi? Je suis parti pour quoi? Une histoire d'amour. Non, je suis parti en laissant derrière moi une histoire d'amour. Ah. T'es pas très heureux en amour? Ça va. Ça va? Ça va mieux. Tu crois pas que le succès t'a un peu coûté ta vie amoureuse, finalement? Honnêtement. Non, je crois que c'est pas ça. Je crois que c'est un choix de départ qui était pas très... J'ai pas fait le bon choix au départ. Dans ma vie amoureuse, hein. Ouais. Et puis, le temps de s'en apercevoir, tu sais ce que c'est. On passe 2 ans vachement bien, et puis 5 ans, c'est galère, et puis après, c'est... Tu préfères pas l'amitié à l'amour, tout simplement? Est-ce que ça te procure pas plus de bonheur, l'amitié? Je peux pas être vraiment ami avec les gonzesses. Par contre, comme dirait un ami à moi, je prie à mort le dieu des fesses pour qu'il ne me laisse pas sans gonzesse. Dis-moi, il y a une phrase dans ton dossier de presse que je n'ai pas comprise, alors je vais te demander ce que ça veut dire. Le monde est con parce que le monde est intelligent. Ça veut dire quoi, ça? Explique-moi, là, explication de texte. Ouais, attends, bon, le monde est con parce que le monde est intelligent. Explique-moi ça. C'est vraiment un salaud. Alors, c'est mon boulot. C'est vrai qu'on invente tellement de choses, on invente des choses qui nous dépassent et on ne sait pas comment les gérer. Mmh. Ah, donc tu t'en on se retrouve comme des cons avec des inventions géniales. Tu t'en sors pas mal. Je m'en sors pas mal. Merci.